À quelques semaines de l'ouverture de la 9e édition des Jeux de la Francophonie, la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque, s'est entretenue avec les acteurs culturels censés compétir à Kinshasa. J'ai hâte et je suis impatiente de les retrouver avec toutes les médailles qu'ils vont glaner et qui permettra encore une fois d'accompagner l'image de notre pays, la notoriété de notre pays, la culture de notre pays. Une rencontre entre la patronne de la culture et ses poulains qui a permis non seulement de passer en revue le niveau de préparation des équipes, mais aussi de réévaluer leurs besoins. Une initiative qui en a rassuré plus d'un. Quand même, je représente la Côte d'Ivoire en sculpture et je pense que c'est un honneur de par exemple avoir le suivi du ministère de la Culture. Et c'est un grand plaisir pour moi. La Côte d'Ivoire, qui a accueilli les derniers jours de la francophonie en 2017, sera notamment représentée dans les domaines du jonglage avec ballon, le conte, la chanson ou encore la danse hip-hop.